On fait un petit tour au magasin. C'est par ici qu'on passe? Ouais. Qu'est-ce que tu veux prendre alors? Des skittles. Des skittles. Ok. Tu sais où c'est? Ouais. Ok. Des skittles ou quelque chose d'autre? C'est là-bas, je crois. Viens. C'est là-bas au fond. En cette dernière journée de ski de la saison, je vais laisser mon fils choisir une friandise. Il a des bonbons là normalement, il a dit c'est plus au fond là-bas. Ah, Skittles! Oula, c'est des gros. Ah, attends, celui-là, ça c'est pas très gros ça, tu peux prendre celui-là. Bon, il a choisi des Skittles. On fait une petite exception aujourd'hui, j'ai pas l'habitude d'acheter des bonbons du tout, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Bless to bless. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis obligée de faire une voix off parce que j'ai filmé en anglais. Bref, donc aujourd'hui nous filmons un vlog ski. Je vais skier avec mon fils et la journée est magnifique. On va faire un télésiège qu'on n'a pas fait jusque là. Mais voilà, le niveau va commencer à être un petit peu plus élevé, mais je suis sûre qu'il va pouvoir suivre le rythme. Il ne me reste plus beaucoup de batterie sur cette GoPro. Je n'ai pas pensé à la recharger hier soir, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Et je n'ai pas non plus beaucoup de place sur ma carte mémoire. Donc je pense que ce que je vais devoir faire, c'est filmer avec mon téléphone une fois que je ne peux plus filmer avec la GoPro. Un petit retour en arrière qui date d'il y a à peu près 2 semaines, quand mon fils et moi nous mettions ces petits outils sur les casques de ski qui permettent de faire tenir la GoPro sur la tête. Et franchement, c'est vraiment pratique parce que ça nous permet d'avoir les mains libres, pas besoin de tenir la GoPro avec les mains, ça reste sur la tête. On vient de faire 2 pistes. Jusque là, on n'a fait que des bleus. Peut-être qu'on va pouvoir en faire des rouges. Peut-être. Hein, on ne se met pas la pression. En tout cas, j'ai presque trop chaud là dans ce manteau. Mais bon, c'est logique en même temps puisqu'on est quand même à la mi-avril. En haut? On peut plus aller en haut. Non, il faut descendre en fait. Là, on doit descendre et y retourner, ok? Ouais, mais ce serait beaucoup d'efforts pour remonter, d'accord? On le refait, on reprend le télésiège, ok? Allons-y. C'est le parcours d'obstacles là, hein. Oui. Je te filme, c'est tout.
on y va. Bravo, tu t'en es très bien sorti, hein. Tu veux faire laquelle? Wouh! Bravo! Wow! Tu n'y attendais pas ce que tu en fasses ça. Là-bas, c'est pour les grands? Ouais, ça c'est le bleu. D'accord, c'est juste noir. Et voilà, notre dernière journée de ski ensemble pour cette saison. Donc ça aura été ta quatrième sortie, hein, Louis? Quatrième sortie de l'année. Et c'est pas mal. On est presque là. On y est presque, donc va falloir qu'on descende du télésiège. Allez. Tu l'as fait sans tomber. J'ai vu ça, t'es allé vite. Pardon. Je suis là, hein. D'accord, tu veux descendre jusqu'en bas? Quoi? Tu veux descendre jusqu'à tout en bas, ça? Là, on fait la rouge. Sundance. Très bien. Elle est très épaisse là, la neige. Habituellement, j'emmène toujours un repas avec nous, mais cette fois-ci, j'ai voulu que mon fils y choisisse un endroit où il voulait manger. C'est une journée spéciale, après tout, non seulement c'est notre dernière journée de ski de la saison, mais en plus, c'est presque la fin de l'année.
Donc je voulais que ce jour soit d'autant plus spécial pour lui. Et donc c'est ça l'endroit qu'il a choisi aujourd'hui pour aller manger. En tout cas, je suis super contente de cette journée parce que on a vraiment pu en profiter. C'était une très belle journée. Merci. Elle avait dit 10 minutes, là il doit rester 5 minutes à peu près là. 5 minutes? Ouais. T'avais soif? Tu m'as lancé de l'eau. Ça c'est à toi je crois. Et ça c'est à moi. Et puis on a les sauces à l'intérieur. On a plein de ketchup là, regarde. Ketchup, on a. C'est déjà le ketchup. Et la sauce barbecue. Les gars, pour cette nouvelle vidéo, on va faire quelque chose de trop sick. Bref, on ira dans ce truc. Oh, ils arrêtent pas de faire des graffitis. Ce quartier. Oh, cherche. Attends. Oh, c'est canon. Le truc. Je filme des trucs. Cette partie est jolie. Je savais même pas que mon fils, il était en train de filmer jusqu'à ce que je travaille sur cette vidéo. Bref. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la deuxième fois que je filmais un vlog de ski, mais c'est le premier sur lequel je travaille. Donc, j'espère que le premier vlog sera mis en ligne bientôt, hein, on espère bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, laisser des commentaires et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois.